La cécité est un handicap qui touche là un grand nombre d'entre nous dans le monde, mais pas forcément ceux que l'on croit. De nos jours, nous sommes plus confrontés à une cécité mentale et morale qui font d'autant plus de ravages que nous doutions un peu plus de la bonne foi de nos pseudo-politiciens qui, au juste, ne sont autres que la cause de tous nos malheurs. Nous refusons de ce pain-là. Parfois, on nous oblige en nous soumettant à une hypocrisie internationale qui semble convenir à nos marchands d'illusions que sont nos politiciens et leurs partenaires. Je refuse de voir mon pays plier devant ce voyou de la cour, devant cette injuste cabale internationale aux accents cannibales par quoi on voudrait mais nous recoloniser mon œil. Je déplore et je refute cette drôle d'insouciance des grands de ce monde par ce flou artistique de ce qui se passe en air des Congo, nous jette droit dans la gueule du loup rwandais et sa bande, pour ne pas dire dans la fosse aux lions. Ces mêmes grandes puissances qui font semblant de ne pas voir ce constat de chèque porté par cette anormalité devenue la norme dans un contexte de forcing absolu, de marche ou crève, d'un pouvoir d'occupation qui a du mal, mais à partir avec la Constitution. Et surtout avec les vrais combattants résistants que nous sommes. Oui, nous, fils et filles de nos parents qui avons en partage ce dénominateur commun qui est notre plus bel héritage. Le Congo, terre de nos ancêtres et de nos aïeux. À bon entendeur, salut. D'amour pour assouvir ma passion, telle est ma plus belle.